Vous allez devoir rallier un certain nombre de points de passage. Rejoignez le parcours en suivant l'indicateur de cible. Le parcours qui traverse une structure orbitale est conçu pour les débutants. Conçu pour les débutants? C'est manque de respect, ça. Mais mec, je suis un pilote d'élite, frère. Arrête. Tu me prends pour qui? Regarde, brion. Il n'y a pas de limite de temps, donc ne vous précipitez pas. Familiarisez-vous plutôt avec les commandes. Eh frérot, je suis le cousin d'Han Solo. T'as vu sur ta jauge de vitesse là-bas à droite? Ouais. T'as une toute petite barre bleue sur la gauche de la jauge. Ouais. Faut que tu restes dans la barre bleue pour que le vaisseau soit maniable. Si tu dépasses, après pour tourner et tout, c'est plus dur. Quand t'es dans la barre bleue, c'est là où le vaisseau est le plus simple à piloter. Ok. Après au-dessus, c'est vraiment pour aller le plus vite possible. Et si tu dois faire des manœuvres, faut rester dans la zone bleue. Bah je suis bien au-dessus de la zone bleue et j'arrive quand même à piloter, frérot. J'ai dit que c'était plus simple ou pas? Non, c'est pas de ta faute, hein. Si t'es pas très doué pour le pilotage, tu pourras me laisser faire tout ça. Par contre, genre, la communauté de Little Jovos, dis-toi que c'est littéralement la meilleure du monde. Ah bon? Parce que genre, par exemple, si tu pars dans l'espace et que t'as plus d'essence, au bout d'un moment, et que t'étais pas proche d'une base, tu n'as plus d'essence, genre t'es bloqué dans l'espace à la dérive. Et t'as un site internet, et tu les contactes en fait, les mecs te disent de te foutre en multi, te montrent tes coordonnées, et ils viennent te chercher pour t'apporter de l'essence. Des vrais joueurs. Ils viennent te retrouver. Il y en a un, il a été coincé pendant 6 mois, ils ont mis 6 mois à venir le chercher, tellement il était loin dans la galaxie. Et 6 mois après, il est en mode, ça y est, il a enfin trouvé. Genre les mecs se connectaient tous les jours pour aller chercher, quoi. C'était ouf. T'as fini du coup de faire ton perso? Ouais. Tu m'as dit, oh salope, invite-moi chacal, je suis le best pilote, t'as capté. Je vais inviter le gars qui m'a dit ça. C'est un bel, j'ai fait gaffe. Hein. Alors, je veux pas dire, mais je me suis posé tout seul. Oh, bien joué. Ah, ma photo en haut à droite. Ah, mais j'ai des planètes qui se mettent en plein milieu là, c'est chiant. Ça fait 2 fois que je fais des arrêts d'urgence en pensant que je suis arrivé, mais non. Bon, là, ça me prendra plus qu'un jour et demi. Au lieu de 30. Mais quand tu penses que c'est littéralement un jour et demi en plus, quoi. Tu crois qu'il y a des gens qui jouent vraiment en mode. Allez. Ouais, ils sont en mode. Moi, j'ai du temps. C'est parti. Moi, ouais. Je suis chaud. C'est quoi ton objectif? Je dois juste aller à la station. Ok, pourquoi tu y vas pas? Ah mais j'y vais, j'en ai juste pour 2 semaines. On avait bien un scanner quand on a fait le tuto. Ouais, un scanner du genre, je sais pas quoi. Mais je sais plus comment on l'utilise. Bah moi je sais, mais on en a pas en fait. J'ai pas d'autre. Oh merde! Putain, pardon. J'essaie de tout. J'essayais de regarder comment scanner et j'ai appuyé sur le nitro. Oh merde! Mais j'ai pas que t'as attaqué la station là? Alors non, mais j'ai quand même eu une amende. De combien? 100. Oh, mais ça va. C'est des putes, frère, j'ai tiré pour voir si ça marchait. Ouais, mais tu... mec. J'ai tiré dans les étoiles. Mec, c'est pas parce que t'achètes un nouveau flingue que si tu tires à côté de la maison blanche, t'auras pas une amende. J'ai tiré dans le vide, il y avait rien. Non mais si tu tires dans le ciel aussi devant la maison blanche, y a rien. Les gens ils vont me dire Cantaras. En plus je t'envoyais tirer depuis du coin de l'œil, je me disais mais il tire sur quoi? Le mec teste. Bon, j'ai acheté un laser minier. Ah bon? Oui, bah. Ben putain, heureusement t'as précisé parce que j'avais du mal. Hein. Je crois que tu avais acheté ce laser pour faire la cuisine. Lanceur de paillettes, trop bien. Pour où est-ce que je peux acheter du thé? Marché, il y a un milliard de trucs. Attends, ils vendent pas leur thé eux? Pourquoi tu veux acheter du thé? Il y a une mission où on peut où il faut qu'on donne du thé. J'ai dit peut-être qu'on pourrait faire ça. J'aime pas. On peut pas. Je sais même pas comment on change genre de... système. Mais on l'a fait tout à l'heure. Oui, mais il était affiché sur la map, ça que je veux dire. Enfin, sur la liste. Alors que, genre, si on est dans un autre, tu vois qu'il est pas affiché. Frérot, laisse-moi faire. Je vais foncer sur une planète, frère. Je vais mourir. Je cherche la voie lactée, les frères. On est dans la voie lactée. Ah bon? Excuse-moi, je suis jamais allé dans l'espace. Hein. Mais le jeu se passe dans la voie lactée, je t'ai dit. Tout ça, là, toutes ces planètes, c'est dans la Milky Way. Toi, je vais t'enfoncer mon gland dans ton cul. Les meilleures menaces. Ton prof d'histoire, quand tu l'écoutes pas.
Il est juste là. Bon, on va à Wolfenstein, c'est bon? Vas-y, attends. Je... c'est parti pour aller à Wolfenstein. J'ai peur, Nico. Ah, faut que tu t'alignes avec le vecteur d'évitement pendant un moment pour être sûr de pas te manger un truc. Prépare-toi, voyons un peu ce que tu transportes. Rien qui m'intéresse là-dedans. Je crois que je me suis fait accoster par un bâtard. T'as voulu te faire raquette? Ouais, ouais. Laissez-moi, je galère et je me fais raquette spatialement là. Putain, le mec il a dû se dire je vais raqueter des gens, je vais me faire du bénéfice, il m'a vu dans mon vaisseau vide. Il a dû se dire waouh. Mais j'hésite à le frapper quoi. Ah, je viens d'enlever ton FSD. Ouais. Ok, BG. Oula, oula. C'est ça la station là? Ouais, c'est une sorte d'astéroïde non? Ouais. On se pose dessus comme ça? Bah, je pense. Demandez un pontage. Regardez, plateforme 29. Il y a 29 plateformes sur cette merde. Bon là, tu m'en veux pas, mais j'ai un petit zizi, hein. Un pontage automatique, parce que sinon je vais me paumer. Oh, j'en vais, hein. Ah, bonne chance, alors. Faudrait que j'ai des grosses couilles. Oh, c'est là, je faisais le tour. Oh, c'est joli. Oh. C'est long, ça me dit une minute, je suis au max. En fait, ils ont creusé à l'intérieur, c'est stylé. Ah, ok, donc ça va être encore plus dur que ce que je pensais. Oui, ça va être très dur à trouver l'entrée, mon pote, hein, parce que c'est pas éclairé. Bonne chance, hein. Attends, avant de partir cette fois, je veux que tu te fasses du bénéfice. Ah non, mais t'as les soutes pleines. Parce qu'en fait, quand genre t'ouvres la carte de la galaxie. Je parlais bizarrement. Oui. Ouvre la carte de la galaxie. Fond bas. Guignol. Ah putain, mais quelle pute. C'est bien quand on commence à mieux comprendre. Ouais, c'est cool. Enfin, non, c'est toi qui comprends, moi j'écoute, hein. Je regarde des vidéos, c'est pas moi qui comprends, j'écoute aussi. Non, du coup, on est des assistés, on a rien compris. Et là, on fait que du marché, mais. Quand on change un peu, on fera genre du minage et tout ça. Mickey. Mais d'ailleurs, je suis pas un gros bouffon qui est le. Mickey, minage. Oh, le soleil! Parce que t'as du minage, du coup, moi j'ai. Ouais, ouais. Ouais, je suis arrivé, quoi. Non, là on est à Mosundok. Il faut qu'on ait à Dimitrov. Moi ça me dit que je suis à Dimitrov Prospect. Oh, on s'est pas gagné ensemble ou quoi? Bah, non, t'es pas avec moi. Moi je suis allé à Mosa. Hein. C'est pour ça. Hein. Et pour moi ça. Je suis allé à Dimeri. Bon bah écoute, je te laisse aller à Dimeri. On va se croiser en chemin. Hein. T'as vu, on est tellement nuls qu'on n'arrive même pas à aller au même endroit. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai qu'on a même pas réussi à aller au même endroit. T'as 15 secondes pour me laisser un truc qui en vaille la peine. Tu as conscience que c'est moi qui te tire dessus depuis tout à l'heure. Putain, c'est long, hein. Oh, les combats, c'est long, hein. Bon, je tire comme un con, mais je te lâcherai la grappe si tu me files pour 2000 crédits de marchandises. Bon, déjà, c'est pas français, et en plus, c'est moi qui t'agresse depuis tout à l'heure. T'as conscience de... Bon, ça fait pas énormément de dégâts, mais voilà, quoi. Comment tu n'en as pas marre de me dire sans arrêt la même phrase? Il me l'a dit combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du coup. Oh! Et allez, de neuf. Mes armes, j'ai pas l'impression qu'elles fassent du dégât. Hein. Ah, c'est bon. Pile quand je dis ça, son putain de bouclier, il lâche. Mais comment il me trace comme ça, là? Bah voilà. C'est bon, je l'ai eu. Bah là, je vais arriver sur la planète. Ah bah oui, moi aussi, je suis devant. D'ailleurs, il y a des colonies spatiales, si jamais. Enfin, sur les planètes, on peut se poser sur des colonies qui sont dessus. Sur celle-là? Mmh. Oh, celle-là, il y en a une, là. Il y a Sazila Colonie Plus, on peut se poser dessus, si on veut. Vas-y, viens, on va jeter un oeil, on va essayer de voir si ça se prépare. Hein. Tu vas aller à Sazila Colony Plus? Vas-y, on va voir. Hein. Mais la vision nocturne, parce qu'on est sur une face cachée. Oh, ah ouais, je vois beaucoup mieux, c'est stylé. Quittez la zone immédiatement pour éviter des sanctions. Attendez. Comment ça? Amende reçue, intrusion en zone interdite. Mais la con de vous. Comment ça, zone interdite, t'es ouf? Accès interdit. Mais les gars, j'ai plus d'essence. Je vais juste faire une escale pour rendre l'essence. Prime de 400 CR, mais pourquoi? C'est bon, je m'en vais. C'est bon, je m'en vais. Putain, ils sont pas... Mec, j'ai bientôt pu avoir de... Je suis recherché. On n'a pas le droit de se poser là, c'est pas bon. Mais je vais même pas pouvoir rentrer en plus, mec. J'ai plus de carburant. Attends, c'est où l'endroit le plus proche où je peux avoir du carburant, là? Aussi, c'est un petit que je peux pas venir. Arkia Sport. Ben, on va croiser les doigts, hein. Bon, bah, ben, c'était pas ouf comme colonie, hein. Quel monde de connards. Je crois que je... Pourquoi? C'est une colonie des Ravens Corsair. Ah. Ah, et vu que je viens de buter un de leurs copains, ouais. Ah, en effet. Ouais. Bon. Normalement, on le saura la prochaine fois quand on y retournera.
Je vérifie. Ah non, merde. Enfin, je sais pas si c'est dans les primordiaux. Ah oui, t'as mis capteur 3D? Oui, oui, oui. Ouais. C'est moi. En optionnel, faut juste que tu t'achètes un récupérateur de carburant. Les deux qu'il y a dans le magasin, si t'as les mêmes que moi, ils prennent autant de carburant. Il y en a juste un qui consomme plus d'électricité, donc prends celui qui consomme le moins. Attends, récupérateur de carburant. Ouais, prends celui qui consomme le moins en mégawatts. Vas-y. Ok, c'est tout? Sinon, est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est tout bon. Hop. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme mission? Vu qu'il faut qu'on passe... Enfin, qu'on arrête d'être inoffensif et qu'on soit stylé. Ouais, que bon. On est obligé de faire des combats. Fini, hein, de se faire rouler dessus, là. Du coup, là, normalement, on a quitté la bulle, on peut plus y retourner, c'est ça? On peut plus y retourner. Oh, putain de merde. Bon, bah, attends, je fais mes missions. Sauf si on meurt. Ah. Ouais, mais du coup, c'est pas ouf. J'ai pas trop envie. Je suis en mode... Ouais. Je suis pas chaud. Oh, je voulais regarder qu'est-ce que j'ai reçu. Regarde-moi ce nombre de messages, quoi. Le même, en plus. Putain, quel connard. Je suis content de l'avoir buté, lui, du coup. Alors, vendre. Hop. Bim, putain, mais... Oh, je suis devenu tellement bon. Je serai jamais aussi bon au lit que je suis dans le jeu. Ouah. Et pourtant, je suis pas ouf. Salut. Je me suis bien collé à toi. T'es où? Je suis collé à toi, littéralement. Je vais essayer de pivoter parce que je te vois pas. Je te vois tourner en rond. Ah mais je te vois pas. T'es un vaisseau, je te vois pas. Je t'entends d'où? Ah putain, bon attends. Ah, c'est toi là? Non, c'est pas toi ça. Ah, c'est toi là? Non, ça c'est pas toi ça. Ah, oh, c'est toi. Salut. Salut. Hey, ça va? Oh, on se voit un peu. Attends, je me rapproche comme ça, tu vois un peu à quoi je ressemble. Attends, je vais mettre mes phares. Attends, j'étais un peu rentré dedans. Oh, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est long de tourner comme ça. Ah bah oui. Tu veux qu'on s'approche de la planète bizarre? Vas-y. Menace principale, non pas. J'ai plus que la moitié de mon carburant. Sérieux? Oui. Voire même 47%. On s'est pas posé, hein. Comment on joue à ce jeu? On a rien fait, hein. C'était tellement dur. J'ai limite envie d'aller faire vite une escale à la station faire le plein parce que. C'est quoi en vrai? Vas-y, on y va. Vas-y. Parce que moi, mon vaisseau il a pris feu.